suis Gisèle Michel, adjointe au maire en charge de la culture. Voilà, c'est un grand plaisir d'inaugurer encore cette année, une nouvelle fois, l'exposition des travaux d'élèves de l'école d'art Claude Monet à la ferme du Vieux Pays. On peut voir le travail des enfants qui s'étaient inspirés dès l'exposition présentée à l'Hôtel de Ville l'an dernier sur le collage. Alors, la cohérence de toute cette exposition, c'est la technique du collage, avec des propositions tout à fait différentes selon les enseignants. Il faut savoir qu'il y a 17 enseignants à l'école d'art, il y a 300 élèves, enfants, plus il y a 6 enfants, élèves des écoles d'Aulnay qui ont participé grâce à des interventions de l'école d'art dans les écoles. Et là, on voit le fruit de ce travail. Alors, le thème, comme j'ai dit, c'est le collage, c'est cette technique, mais qui se prête à des variations très très joyeuses en tout cas. C'est un grand plaisir de ces moments d'inauguration parce qu'on rencontre les élèves, les parents qui peuvent découvrir le travail des enfants. C'est toujours l'explosion de joie, des couleurs, d'imagination, de créativité. Et c'est exactement ça que cherche l'école à travers ses cours tout au long de l'année. Voilà. Je vous invite, voilà, non seulement pour finir, inviter tous les Aulnaysiens et bien au-delà à venir découvrir cette exposition qui donne vraiment envie de se mettre tout de suite au travail, sortir les crayons, les aquarelles, les céramiques. Et voilà, un grand moment de plaisir. Écoutez, merci. Je vous en prie. Au revoir.